Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci de nous choisir pour vous informer. Voici les principaux titres. Début ce vendredi à la prison centrale de Makala du procès des quatre membres du cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique poursuivis pour faux et usage des factures de l'établissement Gradeco et détournement de fonds publics alloués au tournoi interscolaire. Et puis, Jules Alingué était interpellé à l'Assemblée nationale. Le député national Jackson Ossé a exigé de l'inspecteur général des finances des explications sur ses prises de position au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays, des propos tenus au Forum international d'investissement aux États-Unis. Enfin, la rubrique Grand œil de ce journal sera consacrée au vécu quotidien de la population du quartier Ngomba Kinkusa dans la commune d'Ingaliema. Le constat est très amer. L'eau, l'électricité ainsi que les routes n'existent que de nom dans cette partie de la ville. Voilà pour le sommaire. D'abord cette nouvelle, le chef de l'État a présidé jeudi 28 avril à Lubumbashi la réunion du conseil provincial axée sur la cohabitation pacifique, la sécurité et le respect des droits reconnus à tous les citoyens congolais. Cette réunion a connu la participation du premier ministre, du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et du gouverneur du Haut-Katanga. C'est un reportage de Daniel Kamboa. En séjour dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République a mis à profit son agenda pour présider le Conseil provincial de sécurité ce jeudi 28 avril 2022. Au cours de cette rencontre, Félix Tshisekedi a analysé la situation sécuritaire avec les services attitrés. Cette réunion du Conseil provincial de sécurité a connu notamment la participation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula-Katwe. Au terme de cette réunion, le ministre de l'Intérieur qui en a fait les comptes rendus a indiqué que suite à des tensions alimentées dans les Haut-Katanga et qui a amené le Premier ministre à conduire une délégation à Lubumbashi, le président de la République est venu s'entretenir avec les autorités politico-administratives ainsi que les services des renseignements et des sécurités afin que chacun contribue à sa manière pour sécuriser et faire respecter les droits reconnus à tout citoyen. D'après Daniel Asselo, cité par la cellule des communications de la présidence, il a été recommandé à toutes les communautés kassaïennes et katangaises le respect mutuel pour une cohabitation pacifique dans la paix, l'unité et la cohésion nationale. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé. Et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnu à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Il s'est dénoté que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a posé ses valises à Lubumbashi dans la soirée du mercredi 27 avril 2022. Le président de la République est venu participer aux travaux de la conférence interprovinciale pour la cohabitation entre les communautés katangaises et kassaïennes. La clôture de cette table ronde est prévue pour samedi 29 avril 2022. Pendant ce temps, on annonce les reports de la clôture de la conférence interprovinciale de Lubumbashi, initialement prévue pour jeudi 28 avril, la clôture de ces assises regroupant les provinces des espaces du Grand Katanga et Grand Kassai est renvoyée pour ce samedi. Toujours à Lubumbashi, la distinguée première dame, Denise Onyakeru,
Tshisekedi a atterri à l'aéroport de la Luano ce vendredi 29 avril. La première dame a été accueillie par plusieurs autorités politico-administratives, dont le gouverneur des provinces, des ministres et des députés provinciaux. Des précisions dans cet élément signé Daniel Kamboa. La distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi est arrivée ce vendredi 29 avril 2022 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Plusieurs autorités politico-administratives, dont les gouverneurs des provinces, le ministre et les députés provinciaux, étaient au rendez-vous à l'aéroport de la Luano pour l'accueillir. Denise Nyakeru Tshisekedi a vécu l'ambiance chaleureuse des plusieurs femmes des associations socioculturelles, des entreprises et sociétés de la place, ainsi que les femmes militaires et de la police nationale congolaise mobilisées pour cette fin. Les femmes cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation dans les Haut-Katanga, n'étaient pas en reste à cet accueil. Selon la source proche de la distinguée première dame, elle est à Lubumbashi dans l'objectif de prendre part à l'inauguration de l'hôpital Sendwe rénové. Et puis, Jules Alingué était interpellé à l'Assemblée nationale pour ses propos tenus au Forum international d'investissement aux États-Unis sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Des propos qui n'ont pas été appréciés par plus d'un Congolais ont poussé le député national Jackson Ossé à exiger de Jules Alingué des explications sur ses prises de position au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plus tranchant, la Lucha demande carrément au chef de l'État de révoquer Jules Alingué, estimant que la prise des positions d'un haut dignitaire du régime est de nature à fragiliser l'unité nationale. Dans un autre volet de l'actualité, début ce vendredi à la prison centrale de Makala du procès des quatre membres du cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique poursuivis pour faux et usage des factures d'un établissement Gradeco et détournement des fonds publics alloués au tournoi interscolaire. Par ailleurs, des sources concordantes signalent que les enquêtes se poursuivent pour traduire en justice d'autres membres du dit cabinet, signalant que l'audience est renvoyée pour le 10 mai prochain. Et tout à fait autre chose à présent, actualisation de la cartographie électorale. La question a été abordée au cours de la séance de travail qu'a eu le président de la Commission électorale nationale indépendante avec les cadres et les agents du secrétariat exécutif provincial des antennes de Bukavu en province du Sud Kivu. Le reportage de Déborah Wamba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a présidé jeudi 28 avril à Bukavu, en province du Sud Kivu, où il séjourne, une séance de travail avec le cadre et agents du secrétariat exécutif provincial des antennes de cette province. Il était question de discuter autour des activités de toutes les opérations électorales en cours, notamment l'actualisation de la cartographie électorale. Plusieurs sujets ont également été évoqués à cette réunion, parmi lesquels ceux implémentés par l'équipe Kadima. Ces derniers, s'appuyant sur l'équipe qui l'accompagne, a rappelé à l'assistance que les ressources humaines sont au centre de son action pour offrir aux Congolais des élections de qualité en 2023, reflétant la volonté de l'ensemble des électeurs. Il a rappelé la vision contenue dans le plan stratégique qu'il a mis sur orbite, une CENI des standards mondiaux qui imprime une culture démocratique pérenne en RDC. Et la fête internationale du travail sera célébrée le dimanche 1er mai. Entre-temps, à travers un communiqué daté du 27 avril dont la copie est parvenue à la rédaction des Congo Bus Télévision, la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a déclaré la journée du samedi 30 avril chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Les récits de Daniel Kamboa.
La célébration de la journée consacrée à l'enseignement et celle du travail aura lieu samedi 30 avril 2022 en République démocratique du Congo. Habituellement célébrée chaque 1er mai, la journée internationale du travail tombe un dimanche. À en croire la cellule de communication du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, en interrogeant l'ordonnance numéro 14/10 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, cette dernière précise qu'au cas où les jours fériés tombent un dimanche, c'est la journée précédente qui sera consacrée férieux, chômée et payée. C'est ainsi que la ministre de tutelle, Claudine Ndoussi-Nkébé, a ramené le 1er mai au 30 avril qui sera une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Pas d'amalgame, pas de polémique à ce sujet, car la date du 30 avril n'est pas reprise sur la liste des jours fériés légaux en RDC, dit notre source. Et d'ajouter, les festivités du 1er mai auront bel et bien lieu le dimanche et elles seront transmises en direct à la RTNC. Et la journée du 2 mai reste ouvrable. Et tout à fait autre chose à présent, en pêche illicite dans les eaux territoriales ougandaises, 80 pêcheurs congolais sont tombés mercredi 27 avril dans les filets des marins ougandais, une situation que dénonce la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard qui estime que la République démocratique du Congo a perdu plus de 8 km de son étendue en faveur de l'Ouganda. Le reportage d'Esther Bompoko rendu par Maria Maba. Plus de 80 pêcheurs congolais naviguant à bord de 28 pirogues de pêche sont détenus depuis mercredi 27 avril en Ouganda. Ils ont été arrêtés successivement mardi et mercredi par les marins ougandais pour pêche illicite dans les eaux territoriales ougandaises, indique la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard. Le coordonnateur de cette organisation, Josué Mukura, plaide pour la réglementation de la pêche sur ces cours d'eau qui se partagent la RDC et l'Ouganda et l'assainissement du lac. Rappelant que ces pêcheurs sont arrêtés pour des activités de pêche illicite, il a par ailleurs annoncé que la RDC a perdu plus de 8 km de son territoire sur le lac Édouard. Signalant que le mois passé, l'Ouganda s'est plaint des pêcheurs congolais qui faisaient des pêches clandestines sur le lac Édouard du côté ougandais. Précisons que la plupart de ces pêcheurs sont des Kassindiport et vivent au nord du lac Édouard. Et en société, la nuisance sonore de plus en plus un véritable problème des sociétés. Les Quinois qui la déplorent pointent du doigt accusateurs, les tenanciers des débits des boissons et certaines églises qu'ils taxent d'être à la base de ces tapages pourtant interdits par l'autorité urbaine. Le reportage de Jules Billet rendu ici par Bienvenue Yaï. Les phénomènes nuisances sonores ou tapage nocturne et diurne, jadis interdits par l'autorité urbaine, revient au galop. Les églises et bars ainsi que les organisateurs de certaines cérémonies ne cessent ces derniers temps de troubler la quiétude des paisibles citoyens. Il est quasiment difficile de prendre calmement son repos sans les dérangements des nuisances sonores. Kinshasa est devenue une véritable jungle, une boîte de nuit à ciel ouvert. Moi, je condamne les autorités établies. Pourquoi ? Je suis contre les autorités établies. Si notre État existait, normalement, avant d'ouvrir une église, il faut aller voir les autorités. On vous dit ce que vous devez faire. Les gens travaillent, mais ignorant leurs devoirs et droits. Le pays est par terre. Quand il vous arrive de rentrer à la maison si tôt, il y a trop de bruit. Les enfants ne savent pas étudier. Tout ça parce que les autorités sont absentes. Nous avons interpellé le bourgmestre. En tout cas, nous en serons. J'interpelle les bourgmestres. La nuisance sonore dérange beaucoup. Nous n'avons pas de paix. Là où je vis, ça commence le matin jusqu'à l'aube. Impossible de prier. Moins encore les enfants pour étudier. Et ça peut arriver quand il y a du bruit. Vous pouvez être attaqué par des bandits. Personne ne saura. Ça m'énerve terriblement cette affaire.
Et pourquoi les autorités urbaines assistent impuissamment à cette dérive comme si on était dans une société anomique? Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, le général Sivano Kasongo, a promis réagir dans les tout prochains jours. Société encore exaspérée par la taxation opérée par les entreprises de télécommunications M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, notamment la retenue exagérée des frais de retrait. La population quinoise dénonce le constat des jeunes billets rendus ici par Bienvenue Yaï. Les services rendus par les sociétés de télécommunications dont les transactions financières sont perceptibles et salutaires à travers l'étendue du territoire national. Les opérations effectuées par Vodacom, M-Pesa, Orange Money et Airtel Money sont par exemple les transferts, l'envoi ou les retraits d'argent. Ce qui fait par exemple qu'un membre de famille, un ami qui habite Idiofa dans la province du Kwilu, peut en quelques secondes bénéficier d'un transfert d'argent venant de Kinshasa ou Bukavu, alors que dans un passé récent, cela n'était pas le cas. La transaction se faisait par des messageries phoniques. Avec les monnaies électroniques, garder de l'argent fait peur parce que le coût des factures est vraiment exorbitant. Par exemple, pour un retrait de 100 dollars, il soutire 2 dollars. Ce n'est pas normal, c'est trop. Pour 100 dollars, il faut au moins 2 dollars, 4 000 francs. Malheureusement, la retenue opérée sur les transactions sont exagérées, surtout pour l'opération de retrait au niveau de M-Pesa, même dans la vérification du solde. Pour un retrait de 10 000 francs congolais, les services peuvent vous retenir 2 000 francs congolais. Quelques kinos, notamment les tenanciers des shops, ont dénoncé cette pratique au micro de Jules Mbillé. Par rapport à Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, Free Money, Oyo, par rapport à ces M-Pesa, Orange Money, consorts, ils nous exploitent juste. Pour 500 dollars par exemple, moi, agent, je ne reçois qu'un dollar, tandis que le client, on les soutire 5 dollars. Apparemment, il y a une complicité entre l'État congolais et ses opérateurs économiques, surtout du secteur des télécommunications. Donc apparemment, l'État n'a pas été complice dans le réseau de communication. Les frais sont tellement exorbitants, alors que nous, agents, ne bénéficions de rien. Que l'État congolais regarde ces points, c'est trop. En tout cas, les ministres de NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et Communication et autres devront intervenir rapidement pour éviter les soulèvements des consommateurs. Place à présent à la rubrique Grand Œil. Votre rédaction s'est penchée sur les vécus quotidiens de la population du quartier Ngumba Kinkusa dans la commune d'Ingaliema. Le constat est très amer. L'eau, l'électricité ainsi que les routes n'existent que des noms dans cette partie de la ville. Suivez plutôt ce reportage. Le quartier Ngumba Kinkusa, en plein cœur de la commune d'Ngaliema. Nous sommes dans le prolongement de l'avenue Marine, à quelques kilomètres du centre des Lupens. Ici, l'eau a cessé de couler des robinets depuis un peu plus de 3 ans. La solution de rechange, la population l'a trouvée. Il s'agit de cette source naturelle appelée Maïa Libanga. Nous avons grandi avec cette eau. La difficulté est l'entretien parce que la même eau nous sert des boissons pour la lessive mais aussi pour se laver. Nous demandons aux autorités de nous prêter main forte pour que cette eau soit bien entretenue parce que l'eau de la régie des eaux n'existe plus. Solution, oui, mais il faut franchir cette haute montagne, parfois défoncée par des têtes d'érosion pour parvenir à la source, un véritable parcours des combattants. Situation similaire à Boadi, toujours dans les quartiers Ngumba Kinkusa. Ici, comme dans les fins fonds des marines, ceux qui n'ont pas la possibilité d'atteindre la source recourent aux eaux des forages dont l'achat d'un bidon de 20 litres coûte 200 francs congolais.
Nos robinets ne sont plus que des échantillons. L'eau de la régie des eaux a cessé d'écouler de nos robinets, voici environ 10 ans. Les forages nous aident, mais s'il n'y a pas d'électricité, on n'aura pas d'eau. Que le gouvernement nous vienne en aide. Depuis que nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme, aucune suite ne nous est réservée de la part des autorités. Le gouvernement n'a jamais porté une oreille attentive à ces problèmes. Nous sommes fatigués. Outre le problème d'eau, le quartier est fortement menacé par ces gigantesques érosions, des érosions qui ont déjà ravagé plusieurs maisons pour suivre malheureusement leur progression meurtrière. Les propriétaires de ces maisons, par exemple, sont dans les qui-vive. Les efforts entrepris par les populations pour contenir les érosions ne semblent pas à la hauteur du danger. Du coup, les habitants de ce coin lancent un SOS aux décideurs. Il n'existe aucune canalisation d'eau. Les eaux se déversent ici. Certains politiques nous ont fait des promesses, mais sans succès. Nous essayons avec nos moyens de bord de contenir l'érosion, mais sans résultat. Que le gouvernement nous fasse des caniveaux pour la canalisation des eaux. Juste le robiso tozo luka, ne fisque caniveau ya pamba. Tozana maite, tozana kurate. Ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les érosions nous menacent. Nos enfants ne sont pas scolarisés et les soins de santé ne sont pas garantis. Que les gouvernements nous viennent en aide. Pas si n'a pas c'est pas maman tozana ngo. Eza route principale ebimati kimbondo. C'est une route principale. Regardez dans quel état elle se trouve. Ici nous sommes totalement enclavés. Les autorités nous ont complètement oubliés. Nous sommes obligés de nous battre avec nos moyens de bord. Même nos installations sanitaires sont emportées par des érosions. La difficulté, c'est aussi les routes. À Boadi, les routes sont totalement délabrées, si pas inexistantes. Ici, l'on recourt à des véhicules des marques Land Rover pour accéder au quartier. Les autorités nous ont oubliés. Ils viennent ici juste pour solliciter nos voix. Une fois élus, ils nous oublient. Le quartier est fortement enclavé. Il n'y a pas de route. Nous ne demandons que la réhabilitation des routes. Nous croupissons dans une grande misère. Les routes n'existent pas. Entre-temps, nos maisons sont emportées par les eaux des pluies. Nous demandons au président Félix de nous venir en aide. À Boadi, le taux de scolarité est très faible. La délinquance juvénile se porte bien. Ajoutez à cela le phénomène fille-mère. L'accès aux soins de santé de qualité n'est pas garanti. Les quelques centres de santé qui existent ne sont pas bien équipés. La population qui vit dans un seuil élevé de pauvreté a choisi les travaux champêtres comme principale activité. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Début ce vendredi à la prison centrale de Makala du procès des quatre membres du cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique poursuivis pour faux et usage des factures de l'établissement Gradeco et détournement des fonds publics alloués au tournoi interscolaire. Et puis, Jules Lalinguete est interpellé à l'Assemblée nationale, le député national Jackson Osei exiger
de l'inspecteur général des finances des explications sur ses prises de position au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays, des propos tenus au Forum international d'investissement aux États-Unis. Enfin, la rubrique Grand œil de ce journal était consacrée au vécu quotidien de la population du quartier Ngomba Kinkusa dans la commune d'Ingalema. Le constat est très amer. L'eau, l'électricité ainsi que les routes n'existent que de nom dans cette partie de la ville. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.